À la mémoire de Pierre Rouquette, décédé à Philippeville le 2 juillet 1902 à l'âge de 17 ans, regretté de tous les siècles. À la mémoire de Théodore Rouquette, capitaine au long cours, décédé à Marseille le 12 octobre 1891 à l'âge de 42 ans. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que dans la miséricorde de Dieu, Pierre et Théodore vous reposent en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Historiquement, le village avait installé là des cénotaphes. Des cénotaphes qu'il mettait sous la protection, c'est-à-dire des tombeaux sans corps, qu'il mettait sous la protection de la Vierge Marie, Notre-Dame des Ausils. C'est ici un lieu de prière ancien, puisqu'il remonte au XIe siècle. Il y avait ici un prieuré. Donc c'est ancré dans la mémoire des Grissanais. Et à qui confient-ils leur peine, à qui confient-ils leur joie, à qui confient-ils leur mort? Spontanément, à Notre-Dame des Ausils. Ce qui explique que toujours d'ailleurs la vivacité, voire la redécouverte de ce pèlerinage qui était essentiellement animé dans les siècles passés par les pêcheurs et jusqu'aux années 50 encore par les pêcheurs du village qui montaient l'allée du cimetière marin en portant une croix qu'on appelait loup grosse parce que pour que l'effort soit encore plus méritable, il était creux et on le chargeait de pierres. Et donc, chaque année, un pêcheur, au nom de tous les pêcheurs du village, portait ce crucifix, un signe, si vous voulez, de foi, mais aussi d'espérance en l'avenir et de croyance, en ce sens que faire quelque chose pour Dieu, nous faciliterait qu'il fasse quelque chose pour nous. Bon, c'était un petit peu discutable, si vous voulez, dans le fond, on n'est pas dans un rapport marchand avec Dieu, mais c'était comme ça. Voilà. On a besoin de porter, de donner, pour sentir que quelque chose se passe. Il ne faut pas oublier que les barbaresques passaient et longeaient la côte, tandis que les galères aussi patrouillaient pour faire la police. Et les Grissanais ont eu à se défendre contre la mer, parfois contre les flots, contre une région qui était marécageuse et infestée à l'époque de moustiques. Ce n'était pas facile de vivre ici. Et à la fois contre les barbaresques qui régulièrement venaient les piller. À 11h du soir, on périt le naufrage sur l'île Rizouillé. Jean-Pierre Simon Albert, capitaine du Trois-Mâts Jansson, âgé de 44 ans, petit-fils Albert, son fils, âgé de 18 ans. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Certains touristes qui sont ici ou visiteurs sont étonnés de voir ce mélange des genres, prière et puis chant profane, entre autres, ou chant religieux et chant profane. Eh bien, c'est que quand nous remontons l'allée du cimetière marin, que nous prions devant ces tombes,
nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir un sentiment d'une certaine amertume devant la violence des flots. Et donc, on le porte lourdement, et cette mer, c'est un peu celle qui nous enlève nos enfants. Et puis, nous venons ici, dans la chapelle, nous prions, nous affirmons notre confiance, nous reconnaissons que nous sommes aussi sous la bonté de Dieu, et que dans le fond, eh bien, il y a ici presque un basculement. Après avoir porté le poids de la mort et de la violence des flots, eh bien, on redécouvre la vie et ce que la mer peut nous en apporter. Gruissan est un village de pêcheurs, c'est très ancré dans sa mentalité. Ce sont des familles de pêcheurs, de marins au long cours, ils ont un attachement quasi viscéral à la mer. Et donc, quand on sort d'ici, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de chanter la mer simplement pour elle-même. Hein, là, il est même plus question, bien qu'il y ait toujours des allusions au paradis, à Saint-Pierre, au bon Dieu, c'est la mer, voilà, qui nous enthousiasme, qui fait cette rude vie de marins, il y en a quelques-uns encore, de marins pêcheurs à Gruissan. Et voilà, on reconnaît qu'elle est à la fois celle qui nous prend nos enfants, mais elle est aussi celle qui nous permet de vivre, de nous réjouir. Il y a beaucoup de familles de pêcheurs. Il y a surtout la participation de la vedette de sauvetage, qui est nombreux. Il y a le premier prud'homme, il y a le secrétaire de la prud'homie. Enfin, il y a beaucoup de représentants de la pêche, quoi. Oui, la musique, oui. Moi aussi, à ma retraite, comme je connaissais la musique de tout jeune, j'ai remplacé mon père, qui est mort en jouant l'instrument. Il venait de jouer, il est mort, ils sont venus me chercher. C'est triste parce qu'on pense aux pêcheurs qui sont morts quand même, hein, qui se sont noyés là. Vous me direz, moi j'étais pêcheur, vous savez, j'ai fait 41 ans de mer, hein, et c'est pénible. Hein. Et Notre-Dame des Auxiles, oui, c'était, pour ainsi dire, c'est la protectrice des marins et des pêcheurs, bien entendu. Nous, souvent, en mer, on invoque la protection. Parce qu'on la voit de très loin en mer, la chapelle. Hein, de très, très loin et de nombreux endroits. Alors, vous remarquerez que sur les ex-voto, bon, il y a toujours la représentation du bateau, des éléments déchaînés, des conditions qui ont été vaincues ou à propos desquelles, semble-t-il, les Gruissanais ont reconnu un miracle. Et puis, en même temps, l'action de grâce. On te remercie pour... Voilà. Hein, l'ex-voto, c'est un petit peu un résumé de toute une tragédie qui s'est bien terminée, en définitive, grâce à Dieu. Écoutez, moi j'étais dans l'étang, à 100 mètres derrière moi, il y avait un pêcheur, la foudre l'a tué, derrière moi, en 69. Quand tout va bien, mon Dieu, la vie va, on est content, on est heureux, ça va. Quand ça va mal, évidemment, on se tourne là aussi vers celui dont nous attendons un secours, une protection, une force. Voilà. Mais c'est anthropologiquement, ça se reproduit dans toute la vie des hommes. Quoi. J'en ai connu athée, mais il y a quelques fois que... Au-delà du fait que l'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, il y a cette terre qui rassemble les hommes et des moments aussi qu'ils partagent tous. Ce sont des gens qui sont généreux et intelligents. Donc, on ne reste pas sur les clivages. Il y a des moments qui nous permettent de transcender tout ça et on les vit ensemble. Vous verrez que pour la Saint-Pierre, si vous venez à la Saint-Pierre pour le 29 juin,
tout un village est rassemblé. Par-delà, tous les clivages, qu'ils soient politiques, religieux, etc., tout le monde est là. Alors, les plus croyants au premier rang, les moins croyants peut-être au deuxième ou au troisième, mais tout le monde est là. Et tout le monde célèbre dans le fond une espérance et une vie qu'ils sont heureux de partager et de vivre. Alors là, nous allons jouer Saint-Pierre. Allez, on va à l'église. Et à l'église, il y aura le scottish et l'offrande des pêcheurs, avec la barque et le cierge. Et cet après-midi, alors, d'abord on ira à l'église. Les femmes chanteront des chants de mer. Et après l'église, alors, on fera le tour du village. Et puis on ira au port. Bénir la mer, quoi, bénir la mer. Ça vient de très très loin. C'est une tradition qui est très 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 vieille. Maintenant, c'est la fête, mais qui est un peu endeuillée parce que nous avons perdu Jeannot Carbonel. C'est-à-dire, ça, il va y avoir une minute de silence. Nous avons perdu Jeannot Carbonel qui animait beaucoup cette fête. Beaucoup, beaucoup. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce jour pour célébrer comme chaque année la fête de la Saint-Pierre. Une fête qui cette année sera marquée par l'absence de deux de nos confrères, François Marty et Jeannot Carbonel, auxquels nous devons de rendre hommage. François Marty, secrétaire de prix de 1992 à 1995, pêcheur engagé qui par ses écrits nous laisse un témoignage authentique sur la pêche artisanale. Jeannot Carbonel, premier prix d'homme de 1978 à 1984, s'est distingué par son engagement actif au sein de la SNSM et de la Prud'homie de Bruissan. Il a relancé la solennité de la fête traditionnelle de la Saint-Pierre, notamment en ressortant les costumes de prud'homme qui se revêtaient au début du siècle dernier. En hommage à ces deux pêcheurs, nous allons observer une minute de silence. Nous voici réunis devant la maison des pêcheurs pour célébrer et honorer notre saint, le Saint-Pierre. Ainsi, près de deux siècles, la fête de Saint-Pierre réunit non seulement les pêcheurs, mais tout un peuple, les gens du Midi, les gens du Sud, dans une même célébration de la tradition. Ici, à Gruissan, nous sommes attachés à cette tradition qui doit aussi servir de fondement à une société en quête de sens et de spiritualité. Ça en a de toute façon. L'accueil et la réception à la Prud'homie
a du sens. Elle est cette attention que l'on s'accorde les uns aux autres. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant des siècles ici, les gens vivaient un petit peu de la terre, un petit peu de la mer, et que ça fait partie de la réalité de ce village. Mais c'est vrai que la symbolique peut être un petit peu plus élaborée, plus forte, à partir du moment où on rentre dans l'église. Et un des sommets, j'allais dire, de cette symbolique, c'est la procession dite des offrandes, où les uns après les autres, des marins pêcheurs ou certains membres de leur famille viennent vénérer Saint-Pierre. Alors, ils ne vénèrent pas que Saint-Pierre. Vous avez remarqué que lorsqu'ils avancent dans l'église, ils s'inclinent devant la chapelle de la Vierge Marie. Ils continuent à avancer vers le président de la célébration, notre évêque en particulier ce matin. Ils saluent l'évêque, ils vénèrent la relique de Saint-Pierre, puis saluent de part et d'autre les deux tableaux, dont un qui est de Saint-Pierre. Ils saluent la prud'homie et ils retournent à leur place. Alors, cette symbolique, évidemment, sous un pas de scotiche. Pourquoi ? Parce que la scotiche évoque la houle. Et donc le balancement de leur barque en mer. Et ils tiennent à la main, d'une part, la barque qui est le signe de leur travail, mais aussi la barque de pierre, et de l'autre main, le cierge qui est lumière du Christ, celui qui vient nous sauver en toutes circonstances, mais aussi le phare. Hein, c'est le salut et l'aventure de la vie. Voilà, l'aventure de la vie sous le signe du salut évoqué par ce cierge. Et tout ça dans le risque de leur métier évoqué par le balancement de la scotiche qui est celui de la houle. Tout à l'heure, nous chanterons que nous voulons monter sur le bateau de Saint-Pierre, mais il y a ceux qui attendent un peu à quai que le bateau s'en aille. Il y a ceux qui y sont montés, qui en sont redescendus. Il y a ceux pour qui le bateau de Saint-Pierre est un souvenir d'enfance. Il y a ceux qui se demandent comment on peut monter dans une barque pareille. Il y a ceux qui ne sont pas très sûrs du temps qu'ils trouveront s'ils montent. Mais c'est bien que cette fête rassemble chacun d'entre nous dans sa différence, et l'espace d'un moment lui fasse espérer un monde qui serait une fête perpétuelle, dans laquelle on est heureux d'être ensemble, où l'on se sent naturellement fraternel, et où la joie que l'on partage est aussi une façon de nous aider les uns les autres à porter le poids de la vie quand elle devient trop lourde. Notre vie aujourd'hui, je pense particulièrement à vous les pêcheurs et tous ceux qui vivent de la mer et des étangs, votre vie n'est pas toujours facile. Elle est même pleine d'incertitudes et d'angoisses. Et chaque jour, il faut recommencer un métier dont on espère qu'il pourra se poursuivre, et je suis heureux qu'il y ait ici des jeunes qui y croient et qui se mettent en route. Vous ne pouvez pas porter seuls les inquiétudes de votre profession. Il faut que l'Église vous porte dans sa prière. Thank you.
quel moment nos vies, vos vies, tout d'un coup, dans nos vies, le spirituel ne rencontre-t-il pas l'existentiel? Il en fait partie d'ailleurs. Hein, n'importe comment qu'on prie, n'importe comment qu'on considère Dieu, on a à un moment ou un autre une référence à lui, même si, au risque de se le construire soi-même et de se faire un Dieu qui nous ressemble. C'est un petit peu le rôle de l'Église d'essayer de canaliser, de veiller à présenter dans nos terres cette tradition de l'Évangile, évidemment. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Pierrette Rouget, de Jean Carbonel, des défunts, des familles, des pécheurs, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Alors ce Saint-Pierre n'a pas de clé, parce que c'est une tête de proue, une figure de proue, vraisemblablement qui a été retrouvée ici, dans la baie de Gruissant, par des pêcheurs. Et je crois que les femmes ont eu un grand rôle autour de cette figure de proue qui aurait été découverte, me semble-t-il, au moment de la Révolution, qui se serait chargée de la garder et de la conserver, de manière qu'elle ne soit pas détruite comme une figure de tout ce qui pouvait évoquer l'Ancien Régime. Elles l'ont conservée et de tout temps, les gens de Gruissant ont voulu voir dans cette figure de proue Saint-Pierre. Ce n'était pas forcément Saint-Pierre qui était représenté, mais c'est comme ça que les pêcheurs de Gruissant et la population de Gruissant l'a reçu. Et on a gardé cette interprétation, cette identité donnée ici à cette figure de proue. Et c'est elle qui promenait donc solennellement pour la fête de Pierre et Paul. Il a fallu que le Christ, ton Fils bien-aimé, passe par la mort pour la vaincre, avant d'entrer dans la gloire. Bonne nouvelle pour tes serviteurs, nos frères et sœurs péris en mer, ce que tu as fait pour ton propre Fils. Qu'ils soient eux aussi victorieux de la mort et puissent contempler dans toute sa gloire ton visage de Père et de Sauveur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons fait un adieu aux morts sur le pont du Gros,
où participait toute la population. Et traditionnellement, la population se retrouvait avec les pêcheurs et partait en mer. Il y avait, monsieur le maire Didier Codornou me le rappelait, une partie de la population partait sur les barques des pêcheurs en mer. Puis un accident survenu il y a maintenant, en 80, je crois, quelque chose comme ça, en Bretagne, a fait que brutalement, ça a été interdit à cause des risques qui encourus. Mais on a voulu garder quand même cet échappé en mer, ou cette façon de rejoindre ceux qui avaient péri en mer, avec une délégation que prennent en charge les sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer. Et puis ensuite, ici, un catamaran qui est affrété, qui sert habituellement à des promenades touristiques, mais qui, pour la circonstance, amène une délégation de cruissanais au large. Je vais dire une dernière prière, un dernier salut aux morts. Quelques gerbes seront lancées. Et puis comme à Gruissan, tout se finit par des chants, eh bien il y aura encore certainement un petit peu de musique, quelques chants, quelques airs. Il y a un très bon saxophoniste, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais qui joue pour le plaisir de ceux qui sont là, mais aussi une façon de rendre hommage à tous ceux qui, depuis des siècles, eh bien, ont maintenu cette tradition. Et que tous nos frères péris en mer reposent en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, les prêtres étaient des hommes qui faisaient partie de cette population, qui étaient sans cesse au contact, qui vivaient avec elle, qui étaient nourris par elle. Et il y a toujours eu une grande proximité entre les curés et les habitants de Gruissan. Je ne ferai pas tous des chrétiens et des catholiques exemplaires. Ce sont des gens en plus qui ont une forte personnalité, qui résistent, mais qui sont très attachants. J'aime beaucoup les Gruissanais, j'aime beaucoup ce village, et même si nous n'y résidons plus, il est vrai que nous vivons ici une grande proximité. Le fait que le Christ ait choisi des pêcheurs, bon, n'est peut-être pas tout à fait le fruit du hasard. Le pêcheur avait dans l'Antiquité, enfin tout au moins en Palestine, un rôle. En fait, il pêchait, mais il sauvait aussi le poisson. Il le sauvait des abîmes de la mer, au fond desquels se tapissaient tous les esprits du mal. Tout ce qui est mauvais se tapissait au fond de la mer, et ça impressionnait d'autant plus les Hébreux que ce n'est pas un peuple de marins et que tout ce qui pouvait se passer dans les abîmes était très inquiétant. Et donc le pêcheur en même temps sauvait le poisson. D'ailleurs le Christ leur dit à un moment, ce n'est plus des poissons que tu prendras désormais, mais des hommes, tu seras un pêcheur d'hommes. Mais pêcheur, pas au sens évidemment de le prendre dans le filet et de le faire mourir, au sens de le retirer de tous ces lieux où le mal grouille.